Bonsoir Corentin, nous sommes en direct du congrès des Pericantores à Rome. Je voudrais d'abord te demander, qu'est-ce que ça représente pour toi d'être petit chanteur ? C'est surtout un engagement, donc par exemple on va aller chanter voilà, à la messe le dimanche avec les petits chanteurs et voilà, rendre des services. Donc tu participes à ce congrès où il y a 3500 petits chanteurs du monde entier. Oui. Voilà, j'imagine que c'est une grande joie pour toi. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu attends de ce congrès ? Ouais, bah c'est un peu, voilà, on y rêve, c'est Rome, on va voir, voilà, ça va être grandiose. Moi, j'y attends vraiment des belles célébrations, des beaux temps de prière ou aussi des beaux temps de visite. Et et puis des moments de partage avec les différents, avec les chanteurs du monde entier, les différentes cultures, parler avec d'autres chanteurs du monde entier, bah, par exemple des chanteurs venus des USA ou d'Afrique par exemple. On a déjà discuté avec un chœur allemand tout à l'heure. Et puis ouais, voilà, c'est plutôt beaucoup de temps de partage. Et puis voilà, des temps, ça va être bien. Et puis des temps ensemble, ça va être bien. Voilà. Merci Corentin. Alors Cyriac, je suis content de te retrouver ici à Rome. Tu fais partie donc des petits chanteurs de Saint Thomas d'Aquin à Oullins. Est-ce que tu peux me dire ce que ça représente pour toi cet engagement ? Pour moi, cet engagement, c'est vraiment un moyen de communiquer sa passion avec une vraie famille. Parce qu'on a vraiment ce sentiment d'entraide, ce sentiment de... On se sent bien, on se sent à l'aise, à notre place. Et en fait, on se rend compte qu'on partage tous les mêmes valeurs. Et tous la même passion aussi. Donc c'est le chant. Ça nous sert aussi à pouvoir communiquer. On peut communiquer à travers ça. Bonsoir Shana, tu fais partie de la maîtrise des petits chanteurs de Saint Thomas d'Aquin à Oullins. Est-ce que tu peux me dire ce que ça représente pour toi de faire partie de cette maîtrise ? Avant tout, les petits chanteurs, pour moi, c'est un moyen d'exercer une passion. Je pense que tous ceux qui font les petits chanteurs avec moi ont la même passion, c'est-à-dire chanter, la musique. Je trouve aussi que c'est un moyen de... communiquer en quelque sorte avec les autres. Je suis super heureuse de pouvoir rencontrer d'autres pays qui viennent en quelque sorte nous rencontrer. Je trouve que c'est un super moyen de voir qu'on n'est pas en fait les seuls à avoir cette passion et d'apprendre plein de choses sur les autres pays. Angèle, je suis content de te retrouver donc, depuis ce congrès de Rome. Tu fais partie des petits chanteurs de Saint-Brieuc. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le fait d'être membre de la maîtrise de la cathédrale de Saint-Brieuc ? Alors moi, ça fait 7 ans là, que je suis petit chanteur. Et donc j'ai pu voir notamment que c'est un engagement d'être petit chanteur. Et ça nous transmet des belles valeurs, par exemple, prendre la vie en groupe. J'étais pas croyante avant d'être à la maîtrise, mais ça m'a permis aussi de découvrir le monde de la religion. Et j'ai pu en apprendre beaucoup, c'était très intéressant. Merci beaucoup Angèle. Alors tu participes donc à ce congrès de Rome sur le thème Et in terra pax. Qu'est-ce que ça représente pour toi de vivre ce congrès ? Pour moi, c'est une très belle aventure. J'en avais déjà vécu un congrès international en 2018. Et je trouve qu'on y retrouve
Le fait de trouver d'autres cultures, d'autres pays, de pouvoir échanger avec eux, c'est très beau. Et ça représente bien la paix entre tout le monde, ce qui est le thème aussi de ce congrès. Et ça nous permet de chanter ensemble et d'avoir de belles messes, c'est une très belle expérience humaine aussi, parce que par exemple on va rencontrer le pape, et c'est une très belle expérience et je suis très contente de la vivre. Merci beaucoup Angèle.